6 équipes féminines, 44 au total, 400 personnes sur la pelouse. Ah, tout de suite, les boiteux, je veux dire, on va faire la gueule. Ah, viens, allez, fais pas un genre, hein, tu vas rester à la caméra. Mais il dira rien, hein, juré. Hein. Il fait bien, de toute façon. Vas-y, les tomates, on tient pour le bouchon de tomates. Vas-y, les tomates. Ça marche bien. Regarde bien le voyage. Oui, t'as pas voulu jouer avec nous, mais t'auras pas de nom, t'auras pas de t-shirt. Bah, déplace-toi, mon petit madame. Terrain 2, Saint-Germain 1 et le théâtre.
Je sens les prix. Ah ben Chantal, on voit l'organisateur présentant. Oh Pascal. Un message important, s'il vous plaît, votre attention. Il y a un véhicule qui gêne. Un véhicule gêne. Une Renault 5 TS noire. Ils vont pas tirer fort. Non, j'ai là. Ouais, 1, 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 1
Les équipes, vous rendez sur le terrain, s'il vous plaît. Terrain 1, je répète, Arc 1, Bondiel 1, et terrain 2, le Saint-Germain 2 et Aubade 1. Ainsi que l'influence et compagnie. Black.
moi. Olivier, est-ce que ton équipe et tes équipes sont prêtes? Thank you.
trop tard sur le terrain 2, l'équipe EBAD 1 contre le banc de l'envol. Le terrain 2, EBAD 1 contre le banc de l'envol. Et sur le terrain 1, Sur le terrain 1, le bar de colonne et le bar 2, 1. Le colonne et le bar 2, 1. Donc Michel Renard est demandé au camion bar, Michel Renard. Olivier, pas de chrono. Thank you.
Déjà prêt lui. Allez au moins. Hé Jean-Pierre, viens le faire. Ça va passer dans quoi? Ça va, Serge, ça va? Tu veux l'avoir vraiment en gros zoom là? Max, c'est pas le moment, l'heure est grave. Ouais, très grave. Nous étions dans les 300 personnes, à savoir 42 ou 44 équipes au total. Alors, beaucoup de travail, évidemment, donc je vous souhaite la bienvenue. Pas encore, vous savez, on commence par vous, alors on s'en fout de toute façon. Bon, essayez de vous asseoir, s'il vous plaît. Avancez-vous peut-être un petit peu par ici, parce qu'il y a encore d'autres personnes qui vont arriver. Je sais que tout le monde n'est pas là. Éventuellement, d'autres personnes peuvent se mettre ici, vous asseyez, il va y avoir de la place pour tout le monde. À l'occasion de ce tournoi, je tiens quand même à remercier l'Office municipal des sports qui, comme chaque année, nous prête le terrain, ainsi que l'accueil chaleureux du gardien qui nous aide éventuellement si des voitures à déplacer, etc. et nous donner quelques petits conseils. Hein. J'ai bien dit des bouteilles qui restaient à traîner, des papiers, c'est pas toujours évident, je sais. Je remercie également l'établissement Ford, le garage Ford Bertrand Puffer, je ne sais pas si dans la salle, car il nous prête, comme chaque année, son véhicule au parleur. Remercie également le CSA, Bruno Mignot, qui m'a prêté les ballons pour le déroulement de ce tournoi, ainsi que les sifflets. Les coups de patard également aux membres qui nous ont offert quelques coupes, quelques médailles, également qui nous ont prêté les chronos afin que ce tournoi se réalise au mieux. Également remercie qui nous ont offert à l'occasion de ce tournoi
le prix d'Aricole, une coupe, et également la discothèque La Tourette, le gars quand même de très loin, qui vous donne une de Libaro, qui nous présente comme chaque année deux équipes masculines et une équipe féminine. Il a été perdu sur le terrain également un pull. Ce pull, je l'ai récupéré, il est au vestiaire. Donc si quelqu'un l'a perdu, il suffit de s'adresser auprès de François. J'ai trouvé également une clé que j'ai également dans la poche. Si quelqu'un a perdu une clé, il vient me la réclamer, voilà. Et un portefeuille. Un portefeuille, je pense qu'il y a des papiers dedans. Il s'agit du portefeuille de Alain, voilà, du bar, je ne sais plus lequel bar. Si quelqu'un... Le bar de Triton, voilà. Si quelqu'un a retrouvé ce portefeuille ou autre, on en voulait parler, vous lui ramenez, voilà. Maintenant, oui, remercie également aussi. Ils vont vous remettre, avoir le plaisir de vous remettre ces médailles. Il y en a un qui est absent, ce sont nos deux arbitres. Venez à côté de moi quand même un petit peu. Je pense qu'on peut les applaudir, c'est Fabrice, Olivier. Et il y a également Bill, donc, qui est parti donc pour des raisons personnelles. Familial, voilà. Dans les équipes féminines, il y avait 6 équipes féminines, ont participé. Je vais les appeler donc ces équipes par le nom donc qu'elles comportent. Vous allez venir chercher, vous allez avoir droit à une médaille chacune. Je vais appeler, on va faire une photo regroupée. Il s'agit de l'Arc 6, de Benetton 3, de l'Arc 4 et de la Tourelle 3. Les 4 équipes, vous venez, on va faire une petite photo et chacune, vous allez avoir droit à une médaille pour votre participation. Et on les applaudit bien fort, s'il vous plaît, messieurs. Ouais, c'est un applaudissement. Allez, applaudissez-les. Il doit y avoir donc 24 personnes au total. Je regroupe ces 4 équipes féminines, qui ne sont pas bien sûr l'équipe première. Je réserve l'équipe première féminine, la saline, pour reculer vers l'enfant, s'il vous plaît. Est-ce que tout le monde est là? Alors, tu remets les médailles, voilà, à toutes ces demoiselles. Mais tu donnes des tas de celles-ci, hein? L'Arc 6, Benetton 3, l'Arc 4 et Tourelle 3. Je signale que les personnes qui ne sont pas là pour remettre les médailles, je n'en donnerai pas par la suite. Hein. Une fois que tout le monde aura sa petite médaille, on va se faire une petite photo, voilà. Et l'équipe première féminine et seconde, donc nous les réservons pour tout à l'heure. Allez, n'en faites que deux ou n'en faites qu'une comme moi, comme ça on gagne du temps. Allez, on se met un coup de vite fait, on fait une petite photo, Dominique. Je croyais que les arbitres avaient récupéré les sifflets. Allez, vous mettez un coup de vite, c'est pas grave si vous êtes un petit peu mélangé. Allez, on fait très vite, car nous sommes une quarantaine d'équipes à passer, alors ça va être très long. Je vois dans la salle en plus qu'il y a Marie-Christine qui est la première dauphine de l'homme. Oui, alors si Marie-Christine a eu l'habitude au cours d'une soirée dernière, pour ne pas la citer, la soirée intersport, vous crierez on a gagné tout à l'heure. La photo est-ce qu'elle a été faite? Ça y est, c'est parfait. Alors merci aux équipes féminines d'avoir participé. Les équipes masculines, l'équipe mondiale 1, ainsi que Nath et Julie, deux équipes qui ont attendu sur la piste là, pour la remise des médailles. L'équipe mondiale 1 et Nath et Julie. Allez chercher vos médailles. Allez, on essaie de faire très vite. Vous allez dire que je suis toujours pressé. Mais j'arrête pas de parler alors, je commence à voir quoi. Alors l'équipe d'Abidjan 3 pour l'instant. Et l'équipe mondiale 1, est-ce qu'elle est dans la salle? Et il y en a 3 aussi, parfait. Messieurs, allez-y, remettez une médaille à chaque personne, voilà. Tu restes avec nous, je fais une petite photo s'il te plaît. Je sais que t'as pas eu ton billet d'avion dimanche dernier, mais... Je vais t'en sortir celle-là. Il fallait. Allez.
reste avec nous les arbitres. Tu nous fais la photo vite fait, Dominique. Très bien, merci l'équipe Bondue Allemand et Nancy Julie. J'appelle maintenant l'Hibiscus, équipe de l'Hibiscus. Équipe de l'Hibiscus, essayez de faire un passage s'il vous plaît, un petit passage. Laisse un petit passage. L'Hibiscus, voilà, et le tempo, tempo 2. Est-ce que le tempo 2 est dans la salle également? Je crois qu'ils sont ouverts ce soir, alors peut-être que certains ne sont pas ici. Hein. Pour vous faites très rapidement, vous allez, vous avancez un tout petit peu ici, voilà, pas trop de tout. On vous remet, merci, merci Didier, c'est gentil. Jean-Philippe, pardon, allez. Une médaille à chacun et en plus, vous savez qu'il y avait des poules de 4 et de 5 et certains clubs, enfin certains établissements ne sont pas venus. Cette équipe a réalisé uniquement que 2 matchs et pour les remercier parce qu'ils étaient vraiment venus pour jouer, et bien messieurs, écoutez un petit peu ce que je dis quand même, parce que c'est important de recevoir une coupe, c'est un honneur chez nous. Cette coupe vous est offerte parce que vous avez participé uniquement seulement 2 matchs et vous avez réclamé de jouer beaucoup plus. Alors voilà, cette coupe vous est offerte par la discothèque La Tourelle. Et je demande à Didier, parce que La Tourelle qui est ici, il a pu la remettre lui-même et j'en viens pour la photo. Comment? La Tourelle, je vais te présenter son disque jockey, Didier, s'il te plaît. Il est toujours fidèle chaque année avec ses 2 équipes masculines et une équipe féminine. Voilà. Alors, tu restes à côté de nous, on se sert tout de suite en une petite photo. Vous la faites tout à l'heure. Allez, vous regardez tous, Dominique. Très bien. Tu récupéreras les lunettes du tempo. Oui, ok, ouais, on va aller, on va se récupérer. Équipe La Colonne ont participé, le bar des 7 colonnes, et l'équipe des Amis de Paris, vous voyez qu'il y a des gens qui viennent de très loin, des amis lorsqu'ils viennent passer un week-end dans la région d'Alençon, mais il s'agit de l'équipe de Nougarou Laurent, qui deuxième année consécutive descend Paris pour participer à notre tournoi. Vous êtes avec nous, et l'équipe du bar des 7 colonnes. Je sais que son directeur était parmi nous cet après-midi, je ne sais pas s'il a joué. En tout cas, il était au côté campagnard au campanile. En parenthèse, nous remercions de son accueil. Et, voilà, vous remettez, pendant que je vous dis baratin, une médaille à chacun, à l'équipe Nougarou Laurent et le bar des 7 colonnes. Donc je disais, remercier son accueil au campanile. Ça a été un petit peu long, évidemment, enfin servir 300 ou 350 personnes. C'est pas comme si on devait en servir 50. Le bar de la colonne n'est pas là. Bon, tant pis. Photo. Une photo. Eh bien, non, vous restez ici, attendez. Je vais appeler l'équipe le Cut of Fruit. L'équipe Cut of Fruit. Vous me faites appeler, je ne sais pas si vous avez été oublié, on verra ça tout à l'heure. Hein. L'équipe Cut of Fruit. L'équipe Cut of Fruit. Est-ce qu'il est ici, cette équipe? Elle n'est pas là non plus. Bon, vous restez. J'appelle la discothèque Le Jaguar. La discothèque Le Jaguar. La discothèque Le Jaguar, il y a son disque jockey qui est présent parmi nous, c'est Eric. Eh bien Eric, je ne sais pas, sois pas timide. Je pense que lorsque tu es derrière ton micro, devant 500 ou 600 personnes, tu n'es pas timide. Alors viens avec nous sur la piste, je t'en prie. L'équipe de l'Ornetto également. L'Ornetto, certains joueurs de l'Ornetto, vous étiez un petit passage, je crois qu'il y en a. Voilà, vous avez dit l'Ornetto, on peut les applaudir. Vous leur remettez également une médaille pour leur participation. On va se faire une petite photo, très bien. Si les équipes ne sont pas complètes, c'est parce que certaines personnes ont du travail qui sont demain. Merci de votre participation. J'appelle maintenant la discothèque Saint-Germain 2 et l'équipe Probat 1. Saint-Germain 2, Probat 1.
c'est Quito Barge et Saint-Germain 2, non, ils ne sont pas là. Alors vous l'appelez l'équipe de l'envol également. Oui, mesdames et messieurs, vous m'avancez, messieurs, un petit peu, car la caméra a besoin de lumière, n'est-ce pas, Axel? L'équipe de l'envol, est-ce qu'elle est ici avec Jean-François et Alain? Non, alors d'après le tempo 1, mais je pense que le tempo 1 également, si, le tempo 1 est ici. Bah tu sais, à toi tu représentes beaucoup de monde, dis donc. On va se remettre une petite médaille, les autres je m'en charge auprès de Gérard, le directeur gérant du tempo, qui est ouvert sur l'établissement ce soir. Tu remets une petite médaille à Vincent, voilà, pour ta participation. Tu restes également ici. Tu vas appeler la tourelle 1 également, tu restes dans un petit peu pour Vincent. Reste là. La tourelle 1. Voilà, tu remets les... La tourelle 1. Ils sont derrière toi. Oui, bon, on demande de revenir un petit peu. Vas-y, vas-y, remets une médaille. On va demander de parler un petit peu plus fort au cas où certaines personnes ne pouvaient pas entendre. En tout cas, avec du bon micro. C'est mieux que du coup. Allez, on va se serrer, on se serre un petit peu, on s'avance. Allez, on fait un petit photo. Regardez l'objectif, s'il vous plaît. On se rencontre par les petites aventures après. Avance-toi. Merci, messieurs. Le bar, le Canary Bar à Argentan et le Tiffany à Alençon. Faut attendre sur la piste. Le Canary Bar avec Gérard. D'habitude pour la bagarre, il en avance, comme on dit. Gérard du Canary, il n'est pas ici. On le signale, non? Et le Tiffany Bar. Quelle équipe, le Tiffany Bar? Très bien. Alors je vais appeler dans ce cas le Saint-Germain 1. Et je pense donc également les sont plus verts. Alors j'appelle le Checker 2. Le Checker 2. Également quand le bar cocktail est ouvert ce soir. Vas-y, allez, j'ai remetté. Alors l'équipe du pouce 2. Le pouce 2. Je pense qu'il n'a pas sa médaille dans l'équipe. Mais si vous avancez un tout petit peu, quelques-uns se mettent à accroupis, on fait la photo. Merci de votre participation. J'appelle l'équipe Benetton 1, ainsi que l'influence. L'équipe Benetton 1 et l'influence. Avancez, messieurs, nous n'est pas trop en voici l'équipe Benetton 1 et le magasin à l'influence. Vas-y, tu commences à avoir des médailles, vas-y. L'influence ne sont pas là. Le Checker 1. Laissez un passage, s'il vous plaît. Ah, c'est l'influence, parfait. Ça me surprenait quand même. L'équipe du pouce, vous n'avez pas encore gagné, mais vous avez gagné cet après-midi, vous n'avez pas reçu votre trophée, alors vous crierez victoire tout à l'heure. Eh bien, vous êtes trois, peut-être les meilleurs, qui sait. Avancez-vous à côté de l'équipe Benetton. Allez-y, serrez-vous les gars, serrez-vous. Avancez, l'équipe de la copie, voilà. Le Checker 1,
est ouvert ce soir, c'est pas le checker. Le campanile, bon, ils sont en train de ranger. Le, tu représentes le checker? Eh bien parfait, dans quelle équipe tu jouais toi aussi? Le checker, on va lui remettre une deuxième médaille. Allez, tu lui remets une autre médaille qui représente le checker 1 également. Le campanile, donc ils sont en train de ranger. Je vais appeler l'arc 2. L'arc 2, c'est le personnel. Bon, je pense pas trop leur donner. Maintenant, ils vont jouer quand même. Oui, oui. On le signale que les 7 colonnes et le carnivore des arrivés. Les 7 colonnes et le carnivore. Oui. Bon, bien, qu'on ne soit pas ça tout de suite. Les 7 colonnes et le carnivore, s'il vous plaît. Le pouce, vous dégardez un peu. Une médaille. Et cette colonne qui est située au grand rue à Alençon et le Calariba à Alençon. Messieurs, vous retirez en petit photo. Quelques-uns, quelques personnes se mettent assis. J'ai raison de siffler un peu l'ambiance. Est-ce que ça va pour la photo de Michel Dumont? Eh bien, c'est parfait. Merci, merci aux 7 colonnes et aux Calariba. L'arc de solidaire, c'est le personnel de la discothèque. Merci beaucoup, merci. J'appelle maintenant le pouce 3, l'équipe du pouce 3. L'équipe du pouce 3, messieurs, vous quittez la piste, s'il vous plaît, avancez. Représenté par Patrick, et puis... Écoute, tu remets une médaille quand même à Patrick. Il y a Bruno du coup. Le coup de froid. Bien. Vous restez ici. J'appelle l'arc maintenant placé dans les 8 premiers. Un peu de silence, s'il vous plaît. L'arc 7. L'arc 7. Et le café du théâtre. Allez, on dit, du méchant, on dit. L'arc 7 et le café du théâtre. Vous pouvez chercher une médaille. Reviens un petit peu, les gars, s'il vous plaît. Et j'appelle également pour la photo l'équipe Mondiale 2. L'équipe Mondiale 2. L'équipe Mondiale 2. Il y a un jeu qui est ici, voilà. Un deuxième. Trois. Arrête de siffler s'il te plaît ou je te coupe sur la vie qui est à l'intérieur. On connaît la liste qu'on coupe les billes. Allez, vous serrez, quelqu'un se met un zoom, ces trois équipes. La photo a été faite, très bien. J'appelle l'équipe Les Granges, le bar des Granges. C'est également grand rue, le bar des Granges.
avec le bananes. Pas bien, pas de mal, c'était collègue, t'as vu comment ils sont rages. Et l'équipe Arcueur, s'il vous plaît, vous laissez un passage de Barcou, c'est un peu sérieux quand même. Allez, l'Arcueur, où est-ce qu'ils sont? Et je rappelle quand même que l'Arc 1, cette équipe était victorieuse du tournoi en 1987. On vous remet la médaille, s'il vous plaît. Voilà, bon, vous retirez donc une petite photo, s'ils sont que deux. Tant pis pour les autres, c'est un peu timide. Peut-être que certains n'acceptent pas les défaites alors que c'est un tournoi amical, c'est bien dommage. Allez, allez, voilà. Un troisième. Allez, vous serrez. Tu fais un petit coup de place. Très bien. Je remercie de votre participation. J'appelle maintenant l'équipe à Pascal Régnier, qui jouait sous les couleurs de l'arc-en-ciel, mais du fait qu'il n'avait pas de maillot. L'équipe à Pascal Régnier et l'Arc 3 qui ont terminé deuxième. Et également en 1987, donc l'an passé également deuxième du tournoi. Deux années consécutives. Voici l'équipe de Pascal Régnier. Et l'Arc-en-Ciel 3. Voilà, messieurs, vous rapprochez, vous avancez un petit peu. Les arbitres, Olivier et Fabrice, vous dépêchez pour remettre les médailles. Allez-y, vous avancez un petit peu, vous resserrez. Tout le monde a sa médaille. Fabrice, il vend des médailles, s'il te plaît. Non ? Arrête avec le sifflet, s'il te plaît. Tu l'as fait, c'est bon ? Très bien. On va vous demander s'il vous plaît de laisser un peu de passage là. Allez vous asseoir juste devant, il reste encore de la place. Une coupe offerte par le Crédit Agricole, il s'agit de l'équipe qui a terminé deuxième dans l'équipe féminine. Il s'agit de l'équipe du Canary 2, auquel je demande à Gérard également de venir avec son équipe féminine. Mademoiselle, en plus d'une médaille, voilà. En plus d'une médaille, c'est de tout offert par le Crédit Agricole. Gérard, pour ta participation, voilà, pour l'équipe féminine. Les médailles, à chaque... Allez, allez, on dépêche les gars, voyons. Allez, deux ou trois peuvent se mettre à copie, juste devant. Allez, vous mettez à copie, s'il vous plaît. On se resserre. Merci. Équipe première féminine du tournoi 1988 organisé par l'Arc-en-Ciel. Il s'agit de l'équipe Arc-en-Ciel 5. On peut les applaudir.
comme ceci. Alors, vous êtes un petit peu plus nombreux, on va savoir qui sont les six joueurs. Car, contrairement d'habitude, il y avait un seul trophée. Et bien là, nous allons récompenser les six joueurs, un trophée chacun offert par l'arc-en-ciel. Alors, Patrick, qui sont les six joueurs? Et une médaille en plus à chaque joueur. L'équipe numéro 6 avec Patrick va en faire une petite photo, s'il vous plaît. Messieurs, vous êtes occupés. Allez, on fait très vite, l'équipe. Voilà, tu fais la petite photo. Tu veux ajouter quelque chose? Je tiens à remercier tous ceux qui ont joué pour le Barfous et l'ambiance qu'il y a eu en général sur le terrain, c'était pour moi une très très bonne soirée. Merci Patrick. Un petit peu de silence s'il vous plaît enfin. Bon. Je sais tout le monde veut remercier. Attendez, c'est pas terminé messieurs. Ce n'est pas terminé. Allez, vous mettez sur le côté, vous libérez le fil du micro. Voilà. Maintenant, Dominique, tu m'apportes les cadeaux pour remercier les deux arbitres. Vous mettez sur le côté maintenant. Merci, messieurs. Salut. Ben, messieurs, venez avec vos cadeaux. Voilà. Je m'appelle Fabrice Olivier pour vous remercier. Alors. Il en manque un, Dominique, j'ai donné un autre lot. Comme d'habitude, il oublie toujours quelque chose, voilà, c'est très bien. Fais-le parvenir, le cette fois, ça fait un peu bordélique, merci. On va dépasser après. Vous choisissez soit Olivier, Fabrice, un sac de sport ou une tenue de jogging offerte par l'établissement Bonduel qui a engagé cette année deux équipes. Fabrice, tu choisis cette tenue de jogging, Olivier, le sac de sport. En plus, offert par l'arc-en-ciel, deux places de cinéma. Il y a la date de validité dessus, elles ne sont pas périmées. Olivier également, et quant au troisième arbitre, eh bien, je ferai un plaisir de lui remettre personnellement son cadeau, il s'agit de Bill. Je remercie également l'établissement sport, l'office municipal des sports, et j'ai oublié, l'apéritif de sport en campanile était offert par la société Rafini. Je remercie le CSA pour le prêt des ballons, le sifflet, les coups de bâtard.